sommes la société Rigini. Nous sommes une société à capital et direction familiale. Nous existons depuis 1960. Notre chiffre d'affaires est de 53 millions d'euros. Nous sommes près de 250 et nous produisons des portes intérieures en bois pour le marché du négoce professionnel. Donc nous en fabriquons près de 800 000 par an. Nous sommes sur un site unique. Ce site fait 55 000 m² et l'ensemble des installations est très automatisé. Nous avions une protection incendie, mais qui était de la prévention. Il n'y avait aucun problème jusqu'à aujourd'hui où les assureurs sont devenus beaucoup plus frileux sur les aspects sécurité et donc ils nous ont résilié tout simplement. Pour retrouver notre assureur, il a fallu qu'on passe par le projet de sprinklage. Donc à l'issue, l'ensemble du site sera sprinklé. Ce chantier est réalisé en 4 phases. La première phase sera réceptionnée en juin 2021 et le chantier sera réceptionné fin 2023. Nous allons installer 6900 sprinklers, 18 postes de contrôle répartis dans 7 locopostes. Nous avons également la partie génie civil et réseau enterré pour alimentation de cette installation. Aujourd'hui, nous, on était là pour la réception de la cellule technique sprinkler, c'est-à-dire un conteneur où est installé le groupe motopompe diesel. On a vraiment ressenti chez eux la compétence et l'écoute qu'ils avaient tant sur le plan technique que sur le plan financier pour nous accompagner sur ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes bien partis pour arriver au bout de la prestation dans le coût et dans le délai prévu. Ils ont une couverture de la prestation qui est très complète et ils sont très rassurants sur leur capacité à arriver au bout de la prestation dans le meilleur des délais avec, bien sûr, une maîtrise du coût. Voilà.